Salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Séance de sport terminée. Une bonne chose de faite pour ce matin. Et hier soir, c'était la soirée ultra importante dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez jusqu'à la fin de la vidéo. Je le mettrai ici. Et du coup, c'était la soirée où le but c'était de motiver la team, de faire une sorte de talk motivation ultra impactant pour réussir à les booster, à créer des liens, à les inspirer, à les motiver vraiment à se dépasser pour les prochains mois. Et je crois que ça a fait son effet. Ils ont bien kiffé le talk, ils ont bien kiffé les bloc-notes que j'ai offert. En tout cas, je sentais qu'il y avait une putain de bonne ambiance. Et c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je trouve que faire une conférence devant 100, 200, 1000 personnes, c'est pas compliqué parce qu'il y a un groupe, il y a du monde devant et du coup, on parle à un ensemble de personnes. Et faire un talk motivation devant quelques personnes qui sont juste assises devant toi, c'est vraiment autre chose. Et la pire des conférences que j'ai faites, la pire de la pire, c'était avec la mobilière à l'époque. C'était l'assurance, la mobilière. Et je devais faire une conférence pour plusieurs dirigeants. Et c'était 5 dirigeants. Ils étaient en demi-cercle, j'étais au milieu, je devais parler. C'était horrible, mais super gênant parce que t'as 5 personnes qui te regardent, qui te fixent comme ça. C'était juste affreux quoi. Bref, pour aujourd'hui, une journée bien chargée, plein de trucs au programme. Il y a plusieurs nouvelles que j'attends. La première nouvelle que j'attends, c'est un téléphone que j'ai avec le groupe Mutuel. J'en ai parlé. C'est une autre assurance. Et du coup, j'ai bossé avec eux sur un projet pour l'instant, un beau projet qui a eu un impact direct. J'arrive pas à en dire plus parce que j'ai signé un contrat qui dit que je peux juste rien dire sur ce qu'on fait avec eux. Mais c'est un projet consulting qui a abouti et maintenant, ils vont donner vie en fin de compte à ce qu'on a fait ensemble. Et ça va impacter la façon de bosser de plusieurs personnes. Donc c'est vraiment cool pour ça. Mais du coup, j'ai un call avec eux aujourd'hui pour savoir si le projet ira plus loin et s'il sera plus gros, s'il y aura une plus grande envergure. Après, j'ai un rendez-vous business avec un club fitness. Après, j'ai un téléphone avec le Lausanne Sport. Et après, j'ai un téléphone avec un club de hockey de la région. Bref, une journée qui va bouger à fond. Je vous prends avec moi. Oh, mister! Ça va? Ouais, toi? Ma micro. Je pense ça. Ça va? Ouais, toi? Yes. Sinon, dans l'update pour la situation des avocats, ça avance dans le bon sens. J'ai une bonne nouvelle, c'est que normalement, on doit arriver sur un contrat de coexistence de marque, ce qui est une bonne chose. Ça n'a pas encore été signé, mais pour l'instant, ça prend une bonne tournure. Je croise à fond les doigts. Et maintenant, on est en pleine préparation avec Jérémy du premier événement d'Erix. C'est Dare Experience. Et en gros, le but, c'est de faire des events qui soient déjantés, qui sortent vraiment du cadre de ce qu'on peut trouver dans un event normal entreprise. C'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, tu commences à découvrir du coup l'arrière boutique des vidéos. Ils sont habitués. J'en ai plein le cul de YouTube. Le but des events, c'est en gros que tous les clients soient ensemble, qu'ils puissent créer des contacts, des liens entre eux, qu'on puisse se taper des barres, qu'on puisse kiffer à fond et qu'on puisse donner vie en fait au mindset d'air à travers des activités qui soient vraiment folles, genre un saut élastique, du paintball ou autre chose. Du coup, le but, c'est de commencer à préparer ça. Objectif, faire le premier event d'Erix. Tu m'as dit quand, Jérémy? Le 30 septembre. Idéalement, le 30 septembre. Du coup, maintenant, on prépare ça. Donc en top 5 que j'avais mis, donc ça c'était celui que j'avais établi hier d'abord, donc j'avais mis Cobalt Project en premier. Ok, top 1. En 2, c'est Parc Aventure, c'est à Aigle, celui-là. Bon, meeting terminé, on sait pas encore vraiment quelle activité faire, le but c'est vraiment de trouver un truc, un event durant lequel ils pourront se dépasser, briser vraiment les barrières mentales, mais pas non plus que ce soit trop extrême. On a plusieurs idées en tête, soit l'élastique, paintball, bungee jump, enfin, il y a plein de trucs différents, on hésite un petit peu, pour l'instant on stat encore, et maintenant j'ai un call avec Groupe Mutuel. Salut. Ciao François, comment tu vas? Bien. C'est bon pour qu'on fasse le mandat, maintenant moi j'aimerais le splitter en deux, parce que si tu veux, on a validé pour, ils m'ont validé pour la partie 2021, okay. Puis là on est en train de négocier pour 2022, donc... Ma question pour toi, c'est est-ce que tu serais OK qu'on split le mandat et puis après on mettrait le reste sur 2022, juste pour 2022, moi on est en processus budgétaire. Donc parfait. Merci. Hein. Cool François, merci à toi. Merci toi aussi, passe une belle journée. Ciao François, ciao ciao. C'est bon. On bosse avec le groupe Mutuel. Ding 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 ding. Call terminé. Putain de bonne nouvelle. Ça a été validé.
On commence par 50% du projet sur 2021 et 50% qui après sera fait sur 2022, on l'espère. Le but, c'est que ce qu'on fera en 2021 puisse convaincre pour 2022. Pff, c'est cool. Puis pour l'instant, le premier petit projet que j'ai fait avec eux, c'était travailler sur un support qu'ils ont en interne. J'arrive pas à en dire plus, vraiment confidentiel. Mais du coup, ça a été présenté en interne et ils ont vraiment kiffé. Il y a eu des super retours. Et je pense que ça a peut-être aussi influencé un peu cette décision de se dire, bah, on start à bosser avec DER. Maintenant, je file, j'ai un rendez-vous avec le directeur marketing de la chaîne de fitness Let's Go. Alors, je sais pas si vous le savez, mais je suis ambassadeur Let's Go. Ça fait un petit moment que je bosse avec eux. Et du coup, bah, le but, ça va être de réfléchir à un éventuel projet ensemble. Pour l'instant, j'ai pas encore trop d'infos, donc à voir. Mais dès que j'en saurai plus, après le rendez-vous, je vous ferai un petit feedback. J'ai oublié de prendre mes AirPods avec moi. Je suis le genre de gars où je peux pas marcher ou prendre les transports publics sans de la musique. J'écoute de la musique quasiment H24, c'est ouf quoi. Je sais pas si vous aussi, dites-moi en commentaire. Ça va bien ? Cool, te voir ? Ouais. Ça va le taf ? Écoute, ça va, ouais. Merci beaucoup alors. Ouais, bon. Rendez-vous Let's Go terminé, on verra, il y a un projet potentiel à la clé, c'est un petit peu un deal win-win entre Let's Go et DER, donc on verra, je vous dirai un peu quand j'ai plus de nouvelles, mais en tout cas super rendez-vous. Maintenant j'enchaîne, j'ai un call dans 10 minutes avec le Lausanne Sport, on doit refaire une vidéo avec eux dimanche prochain, c'est Lausanne Sport contre le FC Sion, et du coup on doit refaire une vidéo bien badass de nouveau, aussi ouf que l'ancienne, mais sur un autre angle cette fois. Et du coup, bah, téléphone avec lui pour préparer un peu le tournage, quand, quoi, comment. Mais en tout cas, dimanche, ça sera une journée de tournage pour toute la team. Salut Greg. Ciao Guillaume, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Excellent, très très bien. Toutes les 10 000 personnes auront un drapeau. Ok, putain. Donc ça, ça va donner des images assez folles, je pense. Donc c'est là-dessus où on disait aussi d'avoir le drone sur ce moment-là précis, quoi. D'accord. Donc du coup, un petit peu même style dernière fois en termes d'émotion, mais cette fois montrer que c'est vraiment stade plein puis jouer un peu dessus, quoi. Ok. Ok, ça joue. Nickel. Cool mec, parfait. Merci, alors. On se tient encore en temps, Guillaume. Ciao. Ciao. C'est parti maintenant, j'ai un call avec le directeur marketing du LHC, le club de hockey basé à Lausanne. Et en gros, bah, avec une mise en relation, on a eu contact, du coup il y a moyen maintenant peut-être de faire un projet vidéo pour eux. C'est pas encore sûr, faut juste qu'on parle avec eux maintenant, comprendre un petit peu quoi, quand, comment. Et on espère que ça va le faire. Allô ? Oui, ciao Serge, c'est Greg. Bonjour Greg, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Écoute, pas mal. Alors, je t'envoie une invite pour demain à 15h30. Puis comme ça, on regarde ensemble l'ambition, le projet, comment. On va être monstre réactif, on sera prêt. Puis compte sur nous, on fera un truc bien badass pour le 17. Ok. Ça marche ? Ok. Je vais réjouir à fond, Serge. Merci pour le téléphone. Okay. Puis on... à demain alors, ça marche. À demain, ouais. Ciao. On fait une vidéo pour le LHC, les gars. Bon, c'est validé, c'est confirmé. On a une vidéo à faire pour le Lausanne Hockey Club en date du 17 septembre 2021. Donc c'est vendredi, pas celui-là, mais le prochain. Du coup, on a rendez-vous demain à la patinoire pour aller préparer un petit peu tout le storyboard, savoir ce qu'il y a à filmer, quand, comment. Et le but, ça va être de créer une vidéo qui doit montrer à fond l'ambiance de la patinoire, ce qui se passe, pour motiver vraiment les gens à venir voir les matchs, à venir vivre un peu cette ambiance dans la patinoire autour de ces matchs-là. Donc c'est cool, c'est un super projet, je me réjouis à fond. Et ça motive de ouf la team. Et en plus, Jérémy, qui nous a rejoint lundi, il est arbitre hockey dans ses heures libres, on va dire. C'était son job qu'il faisait à l'époque, étudiant. Maintenant, il le fait encore sur différents matchs en France, je crois, en Allemagne des fois aussi. Et du coup, c'est cool parce qu'il est à fond dans le hockey. Donc, il pourra nous briefer vraiment sur les règles, quoi, quand, comment, quoi filmer, qu'est-ce qui est important. Donc, c'est cool, ça va être cool. J'ai vraiment hâte de filmer ça sur la série. Donc, abonnez-vous, ratez pas ça. Ça va être cool.
Première partie de la journée terminée. Elle n'est pas encore terminée. Ce soir, je fais une soirée work. C'est comme ça qu'on l'appelle. Gaston, des fois, vient au bureau et en fait, on se pose et on bosse toute la soirée. On met de la bonne musique, on se pose et on bosse, on bosse, on bosse. On se fait des sessions Pomodoro. Donc, on fait 25 minutes où on travaille, 5 minutes de pause. On refait ça 3 fois de suite et après, on prend une grande pause. Bah, du coup, ce soir, c'est soirée travail au bureau avec une bonne ambiance. Et on a fait une photo hier soir. Vous vous rappelez ou pas, j'avais dit qu'on voulait maintenant prendre des photos Polaroid de chaque instant un peu important de l'équipe, avec nos clients, de la team, pour faire un mur à Polaroid avec toutes les photos. Il y a une personne qui a écrit de mettre le mur sur la porte, juste là ici. Et franchement, l'idée est vraiment pas mal. De me dire juste là, c'est un petit peu le mur de la team d'air, des clients, des partenaires, des amis. L'idée me plaît beaucoup. Mais hier, on a pris une photo et regardez. Voilà. On est au restaurant, je ne sais pas si vous voyez. Et il y a un petit bonhomme juste là. Je ne pense pas que vous voyez. Mais ici, j'ai écrit François. Donc vous ne voyez rien. Juste là, j'ai écrit François avec un petit bonhomme. Parce que malheureusement, François m'a annoncé hier matin qu'il a chopé la crève. Il avait vraiment une sale voix au téléphone, le pauvre. Et du coup, bah là, on est resté prudent. On s'est dit, écoute, on remet ça à une autre fois. Mais du coup, je l'ai mis sur la photo Polaroid avec le petit bonhomme noir là, j'écris François. Donc maintenant, prochain projet, c'est trouver une feuille en PVC. Il me semble que j'en ai vu chez Hornbach ou bien Cop et Loisirs. Et du coup, je vais l'accrocher ici avec les photos. Il y en a déjà 3. Ça commence à faire assez cool là. Ça, c'était le projet Lausanne Sport. Et là, on a la première soirée de toute la team d'air au restaurant. Et franchement, c'était un instant juste magique hier soir. J'avais besoin de leur dire un peu ce que j'avais sur le cœur, la vision que j'avais, la reconnaissance que j'avais. Et à la base, j'avais pensé en faire une vidéo, enfin juste capturer un instant un peu de la soirée. Et en fait, j'avais pas envie. Je voulais garder la soirée vraiment genre pure, c'est con à dire, mais je voulais pas en faire du contenu pour YouTube. Il y a des instants dans ma vie où je me dis, bah c'est important de le vivre à 100%, ici, vraiment en présence, mais là-dedans à 100% et de pas penser au contenu ou autre chose. Et du coup, hier, je me suis dit, pas de caméra, je vis l'instant présent, mais c'était juste super cool quoi. J'ai essayé de faire un peu un talk motivation, ça, il me semble que ça a capté. Après on est parti manger au restaurant, ouais. C'était une putain de soirée. Une putain de soirée vraiment cool qui a fait du bien. Et là je sens que toute la team, on est à fond. Ça va, ma mère ? Ouais. Ça a bossé ? Putain, t'es beau mec, tu vois aujourd'hui. T'es kiff ou pas ? Non, mais franchement mec. Bon mec, t'es chaud ? On start. Pomodoro 1. Pomodoro 1. Défense tout mec. Fin de journée, ou plutôt fin de soirée, il est maintenant minuit. J'ai un peu trop poussé aujourd'hui. Je dois avouer que je suis fatigué là, mais c'était impossible de m'arrêter. Impossible, mais c'est bien le défaut. Quand tu kiffes ce que tu fais, quand tu es passionné par ce que tu fais, bah tu bosses, et en fait tu te rends pas compte parfois que tu en fais trop. Et du coup à la fin tu te dis putain merde, je me suis grillé. Donc là, pour pas que demain il y ait trop de répercussions, pas que je sois claqué demain, parce que c'est une grosse journée, rendez-vous au LHC pour préparer la vidéo, plus un lunch avec un client très important qui vient de Genève. Du coup, faut que je sois au taquet à fond demain. Donc pour me punir, je vais prendre la séance de sport du matin et la mettre le soir. Donc pas de beast mode demain le matin, mais plutôt demain soir. Comme ça, je dormirai un peu pour recharger les batteries, pour être sûr que demain, je sois à fond. Mais voilà pour cet épisode. J'espère que vous l'avez kiffé. Si oui, balancez-moi un monstre like juste en dessous pour me balancer un max de force en pleine gueule. On se retrouve mercredi soir pour un nouvel épisode. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.